Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur. Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur, est l'amour. Près de lui, abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit. Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples. Revenons en Judée. Les disciples lui dirent. Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes. Jésus répondit. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Les disciples lui dirent alors. Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort,
eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples : Allons aider, nous aussi, pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit : Ton frère ressuscitera. Marthe reprit : Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit : Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : Le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda : Où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent : Seigneur, viens, et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent : Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit : Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe : Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est le reproche que Marthe fait à Jésus qui n'est pas arrivé à temps pour guérir son frère. C'est peut-être aussi le reproche que certains font à Dieu, aujourd'hui, devant ce nombre toujours plus important des fléaux, des catastrophes naturelles et des guerres. Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas toutes ces guerres, toutes ces catastrophes naturelles? Pourquoi n'empêche-t-il pas tous ces gens de tomber malades, de mourir? Ces questions qui habitent notre cœur, habitaient également le cœur de Marthe et Marie, mais aussi de tous les Juifs venus pleurer leur ami Lazare. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas guérir Lazare? Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal et la mort triompher? Serait-il impuissant ou pire encore impassible à notre sort? Pour réponse, Jésus va se tourner vers Marthe et lui dire, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Toute la Bible nous annonce que Dieu veut la vie, qu'il veut le bonheur des hommes. Et Jésus est venu sur terre pour nous le rappeler. Nous n'avons qu'à penser à tous ces signes qu'il donna pour lutter contre les forces du mal en ce monde. Mais la Bible nous rappelle aussi que l'homme, en se détournant de Dieu, s'est coupé de la source de la vie et du bien, et qu'il a laissé alors entrer la mort et le mal. Aujourd'hui, Dieu veut rappeler aux hommes qu'il ne les abandonne pas malgré leur infidélité. Par Jésus, il va donner un signe à Marthe et Marie en ressuscitant leur frère Lazare. Ce signe, il le donne également à tous ceux qui étaient présents, et à nous également qui écoutons cet évangile. Par la résurrection de Lazare, Jésus manifeste la toute-puissance de Dieu sur la vie et sur la mort. Et il nous invite à croire que notre Dieu est un Dieu d'amour, il nous invite à lui faire confiance. Oui, il nous faut retrouver la confiance en Dieu, car si nous voulons traverser la mort pour avoir la vie éternelle, il nous faut croire en ce Dieu tout-puissant d'amour. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement être capable de réciter quelques prières, c'est lui faire suffisamment confiance pour remettre nos vies entre ses mains, c'est le laisser nous guider par son Esprit Saint, certain qu'il nous mènera au bonheur véritable. Sois béni, Seigneur, toi qui connais ma faiblesse et mes imperfections. Je crois fermement que par ta présence dans ma vie, je peux faire ta volonté. Dans ta bonté, accorde-moi la grâce de garder les yeux fixés sur toi, même quand les vents et les vagues semblent menacer mon bien-être. Mère très pure, fais que mon cœur soit tout à Jésus. Par tes saintes plaies, accorde-moi la guérison intérieure, Seigneur Jésus. Par les blessures de ta couronne d'épines, purifie mon esprit, ma mémoire, mes pensées et ma mentalité. Par tes yeux brûlés par les larmes, la sueur et le sang, donne-moi de regarder le monde comme toi tu le regardes. Par ta bouche tuméfiée par les coups, purifie mes lèvres. Qu'elles annoncent la vérité et confirment mes frères. Par ton côté transpercé, submerge le monde des flots de ta miséricorde. Par tes mains transpercées, ouvre mes mains pour qu'elles puissent partager l'avoir et l'être. Par les plaies de tes pieds, guéris ce qui est paralysé en moi et m'empêche de marcher à ta suite. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.